Si Sherlock enquête, alors nous aussi on va le faire. Ça fait chier, tu veux dire? Il me manque Quentin, moi. Tu crois qu'il lui est arrivé quoi? Je sais pas. Il a disparu alors qu'on était à 5 mètres de lui. Ouais, c'est clair. Il nous aurait pas lâché comme ça, de toute façon. Non. Alors, encore en télétravail? Ouais, normal. T'as pensé à moi? Je pense à toi tous les jours. T'as quoi? Franchement, pas grand-chose. Vas-y, balance. Alors, au niveau de la mère de Nolan, RAS, Madame Tout-le-Monde, la bonne citoyenne. Imagine, même pas une amende. Ah, c'est rare de nos jours. Ouais, c'est clair. Pour son mari, par contre, rien d'illégal, c'est clair. Mais... une grosse activité au niveau des réseaux sociaux, surtout au niveau de Belzébuth. Sorcellerie, tiens donc. J'ai vu des signes étranges sur des arbres où les gosses ont disparu. C'est peut-être une coïncidence? Une coïncidence? Il y a plein de dos qui vont les picoler en forêt. Hein. En écoutant du Marilyn Manson et en faisant des tags sur les murs. Je sais, c'est pas une preuve, mais... fais quand même une demande de loc sur son phone auprès du juge. Je veux en savoir plus sur lui. Et pour finir, Elisabeth, elle t'a parlé d'un hôpital. Et ici, il n'y en a qu'un. Et c'est un HP. Psychiatrie? Waouh. Je sais que c'est compliqué. Il faut absolument savoir ce qu'elle dit là-bas. Si c'était pour elle, ou pour voir un patient. Elle est chelou cette nana. Une vraie info du démon sur le web. Aussi? Comme Fabrice? Ils se connaissent? Non, pas ma connaissance, mais je vais creuser cette piste. Et sinon, au niveau disparition des enfants, nada. Et pareil pour le deux. Ok. Creuse aussi un peu sur la sorcellerie dans le coin, d'accord? Il t'a parlé des signes sur les arbres, le flic? Ouais, je crois que tu m'as parlé des trucs dans le genre. C'est chelou quand même. Bah, c'est peut-être pour ça que Quentin a disparu. Alors on va les chercher. Waouh, mais c'est quoi ce truc? C'est un signe des sorcières. Mais comment tu sais ça? J'ai déjà vu chez ma mère. Alors ta mère c'est une sorcière? Non mais t'es con ou quoi? Bah je sais pas, alors tu l'as vu où? Bah dans sa chambre. Dans sa chambre? C'est flippant ça. Et y'a quoi d'autre? Bah je sais pas, j'ai pas le droit d'y aller. C'est fou ça. Bah, la porte est tout le temps fermée à clé. Une fois, j'ai vu ce signe quand la porte était ouverte. Elle est spéciale quand même, ta daronne. Ouais, je sais. En plus, elle veut même pas que je vienne dans la forêt à cause de la légende. Quelle légende? La légende. La légende des sorcières de Marchienne. Bingo, ils se connaissent. Je l'ai suivi et est allé chez Elisabeth. Une histoire de cul alors? Je sais pas s'ils baissent sur Black Sabbath, mais ces deux-là nous cachent quelque chose, c'est sûr. Mais c'est quoi le rapport avec le gosse disparu? Il les a captés? Ils veulent s'en débarrasser? Je sais pas encore, il faut creuser, je veux tout savoir. Ce qu'ils mangent, ce qu'ils chient, tout. Je veux tout savoir. En général, dans une histoire pareille, c'est le mec qui passe à l'acte. D'ailleurs, t'en es où par rapport à ta demande de loc sur le proc? Ouais, ça va se décanter, je te tiens au jus.
crois que ta mère elle a un lien avec la disparition de Quentin. Non mais t'es fou ou quoi? Alors on va aller fouiller sa chambre interdite.